Aujourd'hui, dans toute une histoire, les histoires de personnes qui doivent vivre avec un physique totalement changé. La balle m'a touchée à bout portant, donc ça a été très violent. Donc ça a arraché mon nez, ma joue et mon œil. Moi, je me suis endormi avec une cigarette sur mon canapé. Je me suis réveillé un mois et demi après à l'hôpital, brûlé au troisième degré. Au-delà du regard des autres, réussir à s'accepter est le chemin le plus long à parcourir. Il y a 6 ans, je me demandais comment affronter ce qui m'arrivait. Et la seule chose à laquelle on pense, c'est la mort. Enfin, à quoi bon continuer de vivre après une telle épreuve? Elle a eu des trous dans la rétine et on a l'impression qu'elle n'a jamais récupéré le regard d'avant. Donc, sa sœur aînée n'arrivait pas à la toucher, la prendre dans les bras parce qu'elle ne la reconnaissait pas. C'est pas mon visage, en fait. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Merci pour nos invités. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bon après-midi. Et bienvenue dans Toute une histoire avec Aurélie qui sera aujourd'hui ma première invitée. Sa force et son courage. La force et le courage d'Aurélie qui fait une tête pas possible. C'est peut-être grâce à eux qu'elle est aujourd'hui encore en vie. Un braqueur lui a tiré dessus à bout portant. Sur le visage, avec un fusil à pompe, elle a été défigurée. Il lui a fallu une 20aine d'opérations pour qu'elle retrouve aujourd'hui ce magnifique visage qu'elle nous présente. Comme Aurélie, mes autres invités ont été victimes d'accidents ou de maladies qui ont dégradé leur physique. Ils ont dû apprendre à vivre avec un corps diminué, avec une nouvelle apparence physique. C'est difficile, voire impossible, dans notre société soumise à l'apparence, à la beauté. Et pourtant, ils y sont arrivés à réapprivoiser l'estime d'eux-mêmes, d'un autre même. Des histoires à méditer, je crois, pour chacun d'entre nous. Voilà pour commencer l'histoire d'Aurélie. Automne 2006, quand Aurélie sort dans la rue aujourd'hui, le visage qu'elle montre n'est pas celui qu'elle a toujours eu. Il y a 6 ans, sa vie a basculé. Été 2000, Aurélie a 19 ans, elle est stagiaire dans une banque au guichet. Le 13 juin, à 10h du matin, un homme armé d'un fusil à pompe pénètre dans l'agence pour commettre un hold-up. Pris de panique, il tire à bout portant sur Aurélie. Transportée en urgence à l'hôpital, Aurélie restera 9 heures au bloc opératoire. Quand je me réveille et quand je reprends connaissance, je suis bien consciente que je n'ai que des pansements qu'au visage. Les rideaux sont fermés dans la chambre de l'hôpital, il n'y a plus de miroir nulle part, ils ont tout enlevé. Donc je comprends là que c'est grave. Et j'étais la première à aller la voir et là ça a été... Elle avait juste la bouche et son œil gauche qui était apparent sous le bandage. Et elle a quand même pu murmurer « Maman, dis-moi, qu'est-ce que j'ai ?» En accord avec le chirurgien, on a mis une semaine à peu près à lui annoncer l'étendue des dégâts. Ça a été un moment très, très dur. La balle m'a touchée à bout portant, donc ça a été très violent. Et donc ça a arraché mon nez, ma joue et mon œil droit. Donc la moitié de mon visage. Elle a voulu mourir, elle a dit je veux plus vivre comme ça, je vais plus pouvoir vivre, je pourrai plus rien faire, ma vie est finie. Pendant plus de 2 ans, Aurélie refuse d'affronter son image sans pansement devant un miroir. Mes blessures, je les vois qu'au travers des yeux des infirmières et de ma mère, parce que je lui demande de me décrire mon visage quand elle me fait mon pansement ou les soins. La mère d'Aurélie sera donc son miroir. Chaque jour, elle est confrontée au visage meurtri de sa fille. Et il fallait que je mette en mots ce que je voyais en essayant de te ménager, en te le décrivant le plus fidèlement possible, parce que tu me faisais confiance en me demandant ça, tu te souviens? Oui. Donc c'était un sacré dilemme pour moi. Dans son combat pour la vie, Aurélie fait aussi une rencontre primordiale. Le chirurgien, qui l'a accueillie aux urgences, trouve les mots pour la soutenir dans ces moments douloureux. Il se voit toujours aujourd'hui. Il me semble que je t'avais dit que tu étais d'abord en vie, mais que tu avais de grosses, grosses blessures et qu'il fallait que la médecine ne pourrait pas tout faire pour toi si tu ne l'aidais pas. Là, je me rends compte que je vais devoir subir beaucoup de souffrances pour réapprendre à vivre. Comment accepter quelque chose d'aussi injuste? Moi, je n'avais rien demandé à personne et ça m'est tombé dessus du jour au lendemain sans que j'aie rien demandé. Oui, Aurélie et Béatrice, sa maman, sont nos invités aujourd'hui. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 6 ans. C'est un long chemin parcouru, madame? Très long. Mais en même temps, en revivant ces images,
J'ai l'impression que c'était hier. Avec le temps, et surtout avec le courage, avec l'envie d'aller de l'avant, on arrive à se construire. Aujourd'hui, vous allez pouvoir échanger vos expériences avec nos différents invités qui sont avec nous, à qui il est arrivé une aventure similaire et qui ont eu donc la foi de pouvoir se dépasser. Je pense qu'on a tous à beaucoup apprendre aujourd'hui. Je vous présente Philippe qui est notre invité. Bonjour Philippe. Bonjour. En fait, vous avez été électrocuté. On va voir dans quelles circonstances électrocuté comme on ne peut pas l'imaginer, c'est-à-dire d'une manière extrêmement violente. Votre fils est avec vous aujourd'hui, bonjour. Mes deux garçons, oui. Vos deux garçons sont avec vous aujourd'hui, le grand et le petit. Vous y avez perdu 4 membres. Oui, mes deux bras et mes deux jambes, oui. Électrocuté, le courant est rentré par les mains et ressorti par les jambes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous battre, vous? Justement, mes deux enfants. Je peux me permettre de vous serrer la main? Oui. Et ben voilà. Enchanté. Enchanté. Je suis présent également... Géraldine qui est avec nous. Géraldine, vous avez été défigurée avec une violence inouïe, aussi inouïe que subite, j'ai envie de dire. On dit qu'aujourd'hui, la violence, ça part très vite. Je crois que vous en avez fait vos frais. Oui. C'est un homme qui vous a frappé en boîte de nuit, pour rien. À la sortie d'une boîte de nuit, oui. À la sortie d'une boîte de nuit, à coup de pied. Voilà. Un coup de pied a suffi à vous défigurer entièrement. Oui. Et ça ne se voit pas du tout. Et non. Et c'est bien ça votre problème. Exactement. Pourquoi? Je suis la seule ici, en fait, à ne pas avoir de séquelles visibles. Mais moi, tout a été intérieur. C'est-à-dire qu'on m'a opéré, j'ai subi plusieurs opérations. On m'a ouvert au niveau de la bouche ici, on m'a tout soulevé et on m'a fait un petit bricolage. Mais votre visage, c'est le vôtre ou c'est pas le vôtre? Pas tout à fait le mien. Je vous entends également Delphine qui est avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Delphine, vous avez quel âge aujourd'hui? Moi j'ai 22 ans. Alors vous avez eu une maladie génétique et vous avez réalisé... une grande première, cette maladie génétique ouais. vous a rendu handicapé. Vous ouais, avez souhaité dépasser tout ça et puis éprouver profondément votre féminité. Comment vous vous y êtes prise? Je me suis prise en photo pour découvrir mon corps que le milieu médical m'avait inhibé pendant des années en fait. Des photos? Des photos de charme, en lingerie, en petite tenue. Des photos érotiques? Plus ou moins, on peut dire ça comme ça. Mais plus des photos charmantes, en lingerie, en guêpière, avec des barésies. Et ça a été votre façon à vous de découvrir mon corps et après de totalement changer sur l'éducation qu'on m'avait donnée en tant que personne handicapée. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche, Aurélie? C'est bien, c'est qu'elle s'accepte aujourd'hui comme elle est. C'est bien. J'aimerais pouvoir en faire autant. Et pourquoi vous n'en faites pas autant? Pas au niveau du corps, mais au moins du physique, s'accepter comme ça et montrer aux autres qu'on s'assume comme ça. Quel souvenir vous gardez de votre agression, qu'on comprenne vraiment ce qui s'est passé? C'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose qui se passe en 40 secondes. Un homme rentre dans la banque armé et puis tout va très vite. Vous êtes cliente ou vous travaillez là? Non, je travaille. On vous dit c'est un braquage? C'est un braquage, allongez-vous par terre. Moi je reste debout, figée. La peur, je ne comprends pas, j'ai peur. La peur vous glace, comme on dit, la peur vous oui, fige? Oui, je me fige, ouais. Comme beaucoup de personnes dans l'agence aussi, mais moi je suis restée là, debout, spectatrice en fait. Et que vous aviez le regard du type en face de vous? Oui. Son fusil, vous vous êtes dit il va tirer? Non, on ne comprend pas ce qui se passe sur le moment, on est spectateur. Il a tiré, vous vous souvenez de quoi? Je me souviens qu'il tire et que je tombe, je tombe. Ça c'est un souvenir qui reste aujourd'hui? Oui. Tout le monde autour de moi me protège, me bande le visage. Ensuite, les pompiers, la sœur qui prend... Ma sœur qui me dit « je suis là ». Enfin, voilà, des brides de... Ça, c'est 9 heures plus tard? Non, ma sœur est arrivée tout de suite après l'accident. Elle a été prévenue la première. Elle est arrivée sur les lieux. Et j'ai entendu les pompiers dire « sa sœur est là » et donc je demande à la voir. Ça, c'était avant de vous faire transporter en hélicoptère? Oui, oui. Vous avez été transporté en hélicoptère, on voit quand même l'urgence des choses. Oui. Vous arrivez au bloc, on vous endort ou vous vous évanouissez toute seule? Non, on m'endort. On m'endort dans l'hélicoptère parce que je suis consciente et je suis consciente qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Je ne suis pas consciente de mes blessures, oui. mais je l'ai vécu. Pas de douleur? Parfois, c'est tellement fort qu'on ne ressent même plus rien, non. C'est ce qu'on m'a déjà raconté. Ouais. Ouais. Vous saviez que c'était le visage qui était touché, à savoir non. La partie la plus... Non, non plus. Non. Quand est-ce que vous en avez pris conscience de ça? À l'hôpital, après l'opération, à mon réveil. Vous avez pu vous voir? Non.
Non, on a enlevé tous les miroirs dans ma chambre. On me protège comme on peut. Et je vais tout apprendre par bride. Un petit peu du chirurgien, un petit peu de ma famille. Vous êtes sur les lieux, madame, vous ? Non, ce jour-là, je suis en sortie scolaire avec mes élèves. Je suis sur Paris et donc je la prends 2 heures plus tard. Et c'est ma fille, mon aînée, qui doit me mettre en mots ce qu'elle vient de voir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Alors donc au départ, elle me dit Aurélie a eu un accident. Et puis moi, je comprends rien. Je suis complètement paniquée. Je dis mais un accident de voiture, je ne comprends pas. Je savais qu'elle était partie travailler à la banque. Et donc là, elle me parle du hold-up et elle me dit mais maman, elle est vivante, c'est ça le plus important. Votre petite sœur ou votre grande sœur ? Ma grande sœur. La grande. Quand vous avez appris que votre fille avait été touchée au visage, c'est important pour un être humain, le visage. Bien sûr. Quelles sont les questions que vous vous êtes posées ? Mais tout de suite, on se demande quelle est l'étendue des dégâts, quoi. Vous avez pu le mesurer au bout de combien de temps, ça ? Le chirurgien, à l'issue de la longue journée d'opération, a commencé à nous dépeindre un petit peu. Il nous a expliqué qu'elle avait perdu l'os de la joue, une partie du nez. Donc là, vous vous êtes dit ça. Là, on commence à. Il annonce pas tout d'un bloc. Vous savez, c'est. Comme pour vous protéger. Oui. C'est ce que nous a dit un de nos médecins qui est. Mais on se prépare au pire parce que dans notre longue attente pendant toute la journée, le personnel de l'hôpital est complètement paniqué. Il y a des bruits qui courent dans tous les sens. Je me souviens qu'une aide-soignante, à un moment, vient nous proposer à boire et en même temps, elle nous dit. Je viens d'apprendre qu'elle aurait peut-être la mâchoire fracturée. Géraldine nous a dit qu'au moment de l'agression, ça a été tellement fort qu'elle a eu l'impression de cracher des dents, tellement elle a reçu un coup tellement fort dans le visage. Et en fait, il ne s'agissait pas de dents. Non, comme Aurélie, en fait, moi j'ai eu une fracture de la mâchoire avec un décollement du palais, entre autres. Et tous les os qui sont ici, c'est-à-dire les os des pommettes, tous vos os qui soutiennent le visage, les planchers orbitaux qui tiennent les yeux, moi j'ai tout. Ils sont tombés dans la bouche. Elle a craché zygomatique. En fait, c'est tombé directement dans la bouche. Et comme j'avais plus de palais raccroché à la boîte crânienne, en fait, j'ai tout eu dans la main. Oui, bon. Dans quelles circonstances vous avez vu votre visage après l'opération pour la première fois ? Longtemps après, à l'issue de mon séjour à l'hôpital, le chirurgien veut qu'on le regarde ensemble. Veut que j'ai quelqu'un qui m'aide parce qu'il sait très bien qu'à mon retour au domicile, je vais tout arracher, arracher tous mes pansements et regarder. Et il veut pas que je le fasse toute seule. Il veut que j'ai un soutien. Donc on commence à enlever un petit peu les pansements et je regarde ma joue. Donc toutes les cicatrices votre sur la joue. Droite. Ouais. Oui. Et là c'est terrible. Je m'effondre. Donc on n'a pas regardé le reste, c'était trop dur. On se voit un peu à travers les yeux des autres ? Moi, je me suis vue dans les premiers temps au travers des yeux de ma mère quand elle me faisait les pansements. Je voulais qu'elle me décrive puisque moi, je ne voulais pas voir de mes propres yeux. Mais déjà, et alors, vous y arriviez, ça ? Vous arriviez à décrire à votre fils que... Oui, déjà à l'hôpital, 15 jours après son accident, une nuit, parce qu'on dormait avec elle, on est resté 24 heures sur 24 avec elle. Et une nuit, elle fait des cauchemars, elle gigote et elle s'arrache tout le pansement. Donc là, c'est la première fois que je vois et que je peux mettre une image sur les représentations que je me suis faites. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit, madame, à ce moment-là ? Est-ce que vous vous êtes dit, il faut que je garde bonne figure ? Là, ça a été terrible. Ou est-ce que je peux montrer à ma fille ? Ça a été terrible. Je suis sortie de la chambre et je suis allée hurler à l'injustice. Ça a été un moment épouvantable dans ma vie. J'ai bien vu qu'elle avait du mal à me décrire les blessures. Je sais qu'elle souffre à ce moment-là. Et je sais qu'elle ne veut pas tout me dire. C'est vrai que le lendemain, quand j'arrive dans la chambre, elle sait que j'ai vu quelque chose et elle veut savoir exactement ce que j'ai vu. Et là, elle me demande quelque chose d'extraordinaire. Et je dois lui décrire exactement son visage, mettre en mots ce que j'ai vu. Et là, c'est une épreuve douloureuse. Je lui dis la vérité, ce que je vois, avec l'assistance d'une infirmière qui met en mots ce que je ne peux pas exprimer. Je le fais le plus fidèlement possible, en me disant que Aurélie m'accorde une marque de confiance énorme et que je n'ai pas le droit de lui mentir. Vous aviez subi combien d'opérations à ce moment-là ? Une seule, en urgence. Le travail de reconstruction n'a pas encore été... D'accord, on en était à ce moment-là. Alors regardez, vous aviez 19 ans lors de cet accident. L'âge où on a envie de croquer la vie à pleines dents, les amoureux, où on fait des plans pour l'avenir. Et puis l'âge où tous vos plans, en tout cas... Avant ce rebond dont on va parler aujourd'hui, tous vos plans se sont arrêtés.
Avant même de commencer les opérations, j'ai apporté à mon chirurgien une photo de moi avant l'accident. Et je lui ai dit, voilà, j'étais comme ça avant. Et là, c'est la désillusion parce qu'on apprend que la chirurgie ne fait pas de miracle. On ne pourra pas me redonner le visage que j'avais avant. Il manque à Aurélie la moitié de son visage, un cas rare et très particulier, faisant appel à des techniques chirurgicales très délicates. Donc après la première intervention, il n'y avait plus de nez. Malheureusement, on avait dû t'enlever un œil. Et toute la pommette, toute la joue était affaissée, puisque tout l'os avait volé en éclats par l'effet de souffle de la balle. Alors il fallait reconstruire ton nez. Pour ça, on t'a proposé de prendre un grand lambeau de peau au niveau du front et de le basculer en lui faisant faire 180 degrés pour recouvrir toute la paire de substances au niveau du nez. Lui redonner son ancien visage est impossible, mais on peut en reconstruire un nouveau. Une vingtaine d'opérations seront nécessaires pour parvenir à cela, soit 6 ans de sa vie cachée derrière des pansements. Mais Aurélie a du tempérament et s'accroche. Pour elle, la vie doit reprendre le dessus. Je suis restée à peu près un an enfermée, mais il faut aussi se stimuler et se dire que c'est pas une vie de rester comme ça et qu'il faut pas que ça dure très longtemps. Pour reprendre contact avec l'extérieur, Aurélie a une idée. Elle décide d'acheter un chien. Mon chien a été une thérapie pour moi, ça a été formidable parce que j'ai recommencé à sortir, il m'a aidé à me re-sociabiliser. Pour autant, renouer avec la vie sociale est loin d'être évident. En pleine reconstruction et bardée de pansements, Aurélie doit chaque jour affronter le regard des autres. Tu te souviens de ce que disaient les gens quand on les croisait dans la rue, les insultes que j'ai entendues, les moqueries? Tu t'en souviens quand même? Oui. Je me souviens être allée voir un jour une personne, c'est un groupe de 2-3 jeunes, et leur avoir dit, mais enfin, est-ce que vous pouvez seulement imaginer la douleur qui peut y avoir derrière ce pansement? Est-ce que vous imaginez une seconde ce qu'elle a vécu, ce qu'elle endure encore aujourd'hui? J'avais des pansements sur le visage, c'était énorme, on pouvait pas les louper. Mais bon, j'avais 20 ans, 21 ans, j'avais envie de vivre, j'avais envie d'aller en boîte de nuit, j'avais envie de sortir, d'aller en vacances, aller me baigner. Enfin, à un moment donné, on se dit, les gens me regardent, je le sais. Je sais pertinemment que les gens me regarderont et ils pourront dire ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Ouais, il faut que je vive. Et malgré toutes ses souffrances, Aurélie n'a renoncé à rien. Elle a terminé ses études, trouvé un emploi et depuis 3 ans, elle a même fait entrer quelqu'un dans sa vie. Au début, Aurélie était très méfiante, était très jalouse parce qu'elle ne comprenait pas que j'aille vers elle, en fait. Effectivement, je l'ai peut-être aidée à reprendre confiance en elle parce que j'étais attiré par elle et puis je suis sûr qu'il y a d'autres garçons qui sont attirés par elle malgré ce qui lui est arrivé. Je pense que ça durera parce que j'ai beaucoup de sentiments pour Aurélie. Il y a 4 ans, quand je me suis regardée après avoir enlevé les pansements, jamais j'aurais imaginé arriver à ce résultat-là, après tant d'opérations peut-être, mais arriver à un résultat qui quand même me satisfait. Moi, quand je me regarde dans le miroir, j'ai complètement oublié le visage que j'avais avant. Comme je ressemble plus du tout à Lorénie qui avait 19 ans, moi je me suis presque totalement acceptée comme je suis aujourd'hui, donc je me reconnais comme ça. J'ai un visage marqué par un accident, mais je peux continuer à vivre pleinement. Ça fait quoi de s'en passer le film? C'est très émouvant. Il y a 6 ans, je me demandais comment affronter ce qui m'est arrivé. Et la seule chose à laquelle on pense, c'est la mort. Enfin, à quoi bon continuer de vivre après une telle épreuve, quoi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, complètement, oui. Vous avez pensé à la mort? La première chose qui vient à l'esprit, c'est vraiment de mourir. On ne peut pas imaginer autre chose. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas une vie auprès de ses enfants. Quelle va être notre place? Quelle va être notre place dans la société, surtout? On est complètement perdu et puis on a une seule chose à l'esprit, c'est de mourir. C'est pas lutter, se laisser aller. Vous aviez une femme, 2 enfants? Oui. Grégory est né 2 mois après l'accident. Et donc oui, j'avais une femme, Jérémy, Grégory qui est né 2 mois après. Et voilà quoi, mais après tout le monde essaye de dire, mais reviens à toi. Aujourd'hui, vous avez oublié votre visage d'avant?
Ça peut sembler bizarre, mais oui, moi, de revoir ces photos, je ne me reconnais pas. Ouais. C'est comme une femme à deux visages, comme Janus? Non, pas tout à fait. Non, mon visage, c'est celui que j'ai actuellement, celui que je regarde dans le miroir tous les jours. Vous ne dites pas la même chose, Géraldine, hein? Non, moi, pas tout à fait. C'est-à-dire, par rapport... Que vous inspire d'abord ce témoignage, celui d'Aurélie? Beaucoup d'émotions, et je ressens exactement la même chose. Mais sur moi, les regards sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que j'ai pas de séquelles visibles, encore une fois, et personne ne peut s'imaginer ce que j'ai pu endurer. Est-ce qu'on a des images qui peuvent nous faire comprendre un peu ce que vous avez enduré? Parce que c'est effectivement extrêmement compliqué à imaginer quand on vous voit aujourd'hui. Vous êtes toute mignonne. On va regarder ça. On vous dit que vous êtes jolie aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Aujourd'hui, je le prends bien. À l'époque, quand j'étais dans ma période de reconstruction, je le vivais très mal. Pourquoi? Parce que je me suis dit, avant, est-ce qu'on me trouvait aussi jolie? Aujourd'hui, bien sûr, j'ai eu beaucoup d'opérations au visage. Mais où est le problème? Parce que être plus moche qu'avant, ça, c'est dommage. Non, mais c'est pas moi. Mais, Vous pouvez nous commenter ces images qui sont derrière nous? Avant l'agression, quelques années avant l'agression. Donc, je me suis fait agresser il y a 2 ans. Vous aviez un nez un petit peu plus important. Je me exactement, permets. Hein. Si je vais trop loin, vous me giflez. Non, hein. Non. Non, mais elle... en fait, j'avais un nez un petit peu plus long, un petit peu plus épaté. J'avais le nez de ma naissance, donc une petite bosse aussi, voilà. Donc j'ai l'impression de me décrire, on dirait, une sorcière. Ouais. Mais, on en était loin quand même, hein, mais non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais aujourd'hui, bien sûr, je suis passée sur la table, j'ai fait des opérations et on m'a refait plusieurs fois le nez puisque j'ai eu des fractures au nez. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui se font refaire le nez, ne serait-ce que pour être plus jolie. Oui. Et je pense que ça, justement, pour moi, ça m'a... poser vraiment la question de la chirurgie esthétique. Même si, à la limite, sur ses traits, on pourrait dire qu'esthétiquement parlant, elle pourrait être mieux, ce que pourraient dire des gens. Mais moi, c'est pas ma fille. Je ne retrouve pas... Qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Eh bien, je me vois... alors, grâce au maquillage, j'arrive à cacher les cicatrices que j'ai sous les yeux. Parce qu'elle était toute ouverte, comme ça, partout. J'ai deux cicatrices sous les yeux que j'essaye de masquer. J'ai une cicatrice sur le nez aussi que j'essaye de masquer. Mais moi, tout est intérieur. Donc on m'a vraiment ouverte, même pour les opérations du nez, on m'a ouverte en fait de la canine à la canine. Mais on ne voit rien. C'est incroyable, vous ne trouvez pas, Aurélie? Non, mais là, il y a un chirurgien esthétique. On ne voit rien. Et c'est vrai qu'après, il faut user des petites astuces. Le maquillage, ça aide beaucoup. Hein. La voix a changé? Non. Le regard a changé? Oui. Le sourire a changé. Enfin, je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde. Pour moi, oui, ça l'est. J'ai un œil qui a été enfoncé. En fait, j'ai plus de planchers orbitaux sous les yeux. J'ai des plaques à la place. Donc, vous n'aurez jamais de cernes, c'est ça? Si seulement c'était vrai. Mais j'ai eu des plaques sous le visage. J'ai eu les mâchoires fermées. Forcément, il y a des séquelles. J'ai eu pas mal de choses. Tout ça pour un coup de pied dans la figure? Ouais, je me suis pris son pied. En fait, il m'a attrapé par derrière, il m'a mise à terre. Donc, je suis tombée à 4 pattes. Et à l'époque, j'avais les cheveux très longs et très bouclés. Et je n'ai pas vu son pied arriver. Donc, il m'a relevée avec son pied comme ça. Voilà. Pourquoi il vous a frappé? J'ai été victime d'une agression de racisme parce que j'étais blanche et de sexisme parce que j'étais une femme. Je serais marquée au fer rouge pour toute ma vie. Et ça ne se voit pas? Et ça ne se voit pas, voilà. Et voilà. Vous préféreriez que ça se voit? Ouais, j'ai rêvé d'avoir des cicatrices sur le visage. Je trouve ça terrible d'entendre ça. Pour vous, ça fait mal. Pour moi. Mais je comprends tout à fait parce que moi, je pense que les gens acceptent plus ma souffrance morale du fait de mes séquelles physiques. Ouais. Tout à fait. Et encore, c'est encore difficile pour les gens de comprendre. Vous préféreriez ne pas avoir de traces? Moi, bien sûr, ouais, bien sûr. Moi, j'aurais préféré qu'on le voit parce que c'est une reconnaissance de ma douleur, en fait. Parce que tu rentres dans une pièce, on sait que, c'est vrai, on sait que tu as quelque chose. Et pourtant, la douleur n'est pas toujours reconnue. Hein. Voilà. La douleur, parce qu'on n'en a pas parlé de la douleur, mais elle est présente. La souffrance morale. Je pense que là, ce qu'on a en commun, c'est cette souffrance morale, même si... Et physique. Oui. Physique, vous aussi, vous avez des douleurs? Ah oui. Ouais. J'ai des cicatrices, en fait, ici. On m'a ouvert plusieurs fois. J'ai le nez, forcément. J'ai les plaques, j'ai des vis. Vous les sentez? Oui, on en a retiré certaines et j'en garde d'autres. Philippe, c'est douloureux ce que vous avez? Oui, ben je vis avec aussi. C'est une douleur qui est permanente. C'est-à-dire que j'ai toujours mes bras, toujours mes jambes, ils sont toujours là, je les sens. Vous sentez comme s'ils étaient encore là? Oui. Pour le cerveau, les mains et les jambes sont là, quoi. Vous pouvez avoir mal au bout d'un doigt? Oui, là, mal à la cheville. En ce moment, j'ai mal à mes doigts. Ils ont plein de fourmis.
les doigts sont recroquevillés parce que je ne les utilise plus. Mais ils sont fermés, les poings sont fermés. Mais si j'essaie d'ouvrir un doigt, là, par exemple, maintenant, voilà, ça me fait mal parce que j'essaie d'ouvrir mon doigt. Mais ça ne se voit pas sur la prothèse. Mais vous pouvez bouger les doigts de votre prothèse ? Oui, celle-ci, oui. Ouverture, fermeture et rotation du poignet. Soit à droite, soit à gauche. Pour autant, elles sont insensibles, évidemment. Ah bah oui, là, oui. C'est une impression. C'est une impression. On parlait de regard des autres il y a un instant. Vous allez nous en parler dans quelques minutes parce que c'est important pour vous, pour vos fils, de pouvoir vous reconstruire, d'aller de l'avant. Et vous êtes en train d'essayer de faire des rencontres. Mais je voudrais qu'on revienne sur quelqu'un qui est au cœur de ce dont on parle aujourd'hui, qui n'en parle pas au passé, mais au présent. C'est Frédéric. Où est-ce que vous êtes, Frédéric ? Bonjour, Frédéric. Comment Bonjour. Allez-vous aujourd'hui ? Ça va. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette conversation ? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette conversation qu'on a ensemble ? Ben, j'écoute et enfin, je pense que à peu près la même chose, quoi. C'est-à-dire que le monsieur là-bas, quoi, on a envie de mourir, quoi. De se laisser aller, on a envie de plus rien, quoi. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement et quand était-ce ? Moi, je me suis endormi avec une cigarette sur mon canapé, quoi, en mars 2005. Il y a un an et demi ? Ouais. Et vous êtes réveillé ? Non. Non, je me suis réveillé un mois et demi après à l'hôpital, à Conception, quoi. Je suis resté un mois et demi dans le coma artificiel, quoi, en soins intensifs. Brûlé au troisième degré ? Brûlé au troisième degré, ouais. Et ils ne savaient pas s'ils allaient me sauver pendant les 15 premiers jours, hein, à cause des poumons qui avaient pris, surtout la fumée, quoi. Donc il y a la question de survie, il y a la question que madame a soulevée, qui est-ce qu'on va garder toute sa tête ? Tout son esprit, voilà, son même caractère. Voilà, ils avaient peur pour mon cerveau aussi, pareil. Voilà. Comme j'ai été en arrêt cardiaque pendant plusieurs minutes, quoi. Le SAMU qui a mis 3 heures à me stabiliser pour me transporter. Oui, c'est ça. Donc, un, la survie organique, c'est le plus important. Deux, est-ce qu'il n'y a pas de séquelles au niveau du cerveau ? Est-ce qu'on va garder la même intelligence, le même caractère ? Et puis, il vient en troisième, l'aspect esthétique. Voilà, qui est très important. Et là, vous y êtes aujourd'hui. La question se pose pour vous. Voilà, là, je suis carrément dans le trou, là, en ce moment, quoi. Qu'est-ce qu'on vous propose ? Eh ben là, j'ai eu rendez-vous le 21 septembre avec le professeur Bardot de la Conception, qui doit me refaire le nez. Là j'attends une convocation pour être hospitalisé. Quoi. Le front ? Le front, il a été greffé, c'est refait. Quoi. Mais il y a le nez, il y a l'oreille, il y a le menton ici, il y a la bride sur la lèvre. Là. Donc tout ça, il faut attendre, parce que comme c'est encore inflammatoire... Ils ne peuvent pas intervenir dessus. Quand vous voyez Géraldine en plateau, quand vous voyez son nez aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ben, je trouve super. Hein, et pourtant, elle se plaint ? Ouais, mais je donne n'importe quoi pour avoir un nez normal. Quoi. Donc, mais c'est tout récent encore, donc vous avez toutes les chances d'y arriver. Il y a Laurence, votre sœur, qui est à vos côtés. Vous dites qu'il a beaucoup de baisse de morale. Oui, très bien. Comment vous faites pour l'encourager ? Tous les jours. Je lui dis, écoute, regarde, on fait de belles choses maintenant, réparation, chirurgie, réparatrice, tu verras. Il a rencontré d'autres, quand il a fait une cure notamment, il a rencontré d'autres personnes qui avaient été brûlées, qui se sont fait refaire le nez. Il m'a dit, c'était super. J'ai dit, alors, pourquoi pas toi ? Tu verras, ça va. Tu tiens le bon bout maintenant. Il a passé des moments difficiles. Bon, mais c'est vrai que... Parce que je trouve que c'est trop long. C'est long, voilà, c'est long. Vous êtes venu aujourd'hui pour essayer de faire le premier pas pour commencer à vous assumer. Ouais, pour sortir dans la rue, je ne sors pas d'abord. Vous n'êtes pas sorti depuis combien de temps dans la rue ? Bah, depuis février, je suis sorti de l'hôpital. Quoi. Plutôt, ouais, tout le temps. Je ne sors plus. Ça fait presque un an que vous n'êtes pas sorti de chez vous ? Ouais. Vous êtes sorti ici pour montrer qu'il faut se battre ? Oui, parce que vos collaboratrices ont réussi à me convaincre que je devais sortir. Quoi. Donc, Aurélie, vous êtes restée combien de temps sans sortir ? 2 ans. Deux ans. Oui. Vous avez presque un an. Je vous félicite, monsieur, d'être venu nous voir aujourd'hui. Oui. Ça va aller. Il faut s'accrocher, la vie n'est pas facile. On va regarder l'histoire de Philippe, une histoire qui donne envie à chacun de se battre, quelles que soient les circonstances. Regardez. On y va. Chaque jour, Philippe doit être aidé par une auxiliaire de vie pour faire sa toilette. Il y a 12 ans, il a été victime d'une décharge électrique et a dû être amputé des 4 membres. Pour se raser, c'est vrai que c'est pas évident, pour se brosser les dents, faire sa toilette. Quand on perd l'indépendance, au début, c'est pas facile, parce que on a du mal à accepter que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse sa toilette. Il y a l'intimité, la toilette intime, mais là, c'est... Et puis, au fil des jours, au fil du temps, c'est pareil, toujours la même chose, le temps fait son œuvre, donc on accepte. Le
Le 5 mars 1993, Philippe est en plein déménagement. Il monte sur le toit de sa maison pour démonter l'antenne de télévision. C'est à ce moment-là qu'il touche un fil à haute tension au-dessus du toit. 20 000 volts lui traversent le corps. C'était tellement violent, tellement... Le premier impact, j'ai juste entendu un boom. Et là, normalement, je suis mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. C'est là que je vois ma vie défiler à une vitesse folle. J'ai quand même le temps de dire au revoir à ma femme et à mon petit garçon qui est en bas de l'échelle, parce que je me sens partir. Je me sens mourir, donc mon premier réflexe est de leur dire au revoir et de leur dire que je les aime. Pendant un mois, Philippe est dans un état semi-comateux. C'est seulement quand il reprend conscience qu'il se rend compte qu'il a été amputé. C'est impossible d'imaginer une vie sans bras et sans jambes. Le bras droit avec lequel je mangeais, que je passais mes vitesses, que je tenais mes enfants, que... Il n'y a plus rien. Et là, c'est l'horreur. On n'a pas envie de vivre, on n'a plus... Quelle va être ma place au sein de ma famille? Quelle va être ma place au sein de la société? Non, non, c'est vraiment inimaginable. Et là, j'ai envie de mourir. Jusqu'au moment où, voilà, il y a Jackie, un ami très proche, qui vient me voir et qui me dit bah, écoute, tes enfants, ils vont avoir besoin de toi. Ils vont avoir besoin d'un papa. Alors là, je me suis réveillé et j'ai changé totalement de comportement. Je voulais vivre. Les médecins me disaient ton petit garçon qui est né 2 mois après l'accident, donc Grégory, il me dit il marchera avant toi parce que t'as trop de rééducation et tout ça. Et je leur ai dit, mais c'est hors de question. Et quand je me suis mis debout la première fois, je me souviens, il y avait du monde dans la salle de rééducation, tout le monde applaudissait. Ouais, bravo Philippe, allez, vas-y, fais ton premier pas. Et là, je soulève ma jambe droite qui pesait une tonne. Je fais mes premiers pas, un peu branle-balangue, un peu comme un pantin désarticulé, mais j'avais fait mon premier pas. Et là, l'émotion est trop forte, on se met à pleurer. C'est une grande joie, quoi. Avec le temps, Philippe a réappris à vivre avec son corps mutilé. Les prothèses, pour moi, c'est... C'est un instrument de liberté, c'est-à-dire que je peux marcher comme tout un chacun. Et grâce aux prothèses de bras, bah, je peux reconduire, je peux manger, je peux faire plein de choses. 1, 2, 3. Comme n'importe quel papa, Philippe va chercher son fils à la sortie de l'école. Bonjour, mon vélo. Ça va? Ouais. Alors, t'as ramené combien de bonnes notes aujourd'hui? Aucune. Ah. Que des mauvaises notes alors? Non, il n'y avait pas de notes aujourd'hui. Ce qui m'a maintenu à la vie vraiment, c'est mes enfants. Vraiment, c'est les enfants, c'est voilà, Jérémy et Grégory. J'étais là pour eux, je suis là pour les conduire sur les chemins de leur vie. Je suis content d'être là pour eux. 7 ans après l'accident, Philippe et sa femme se sont séparés. Devenus célibataires, ils doutent de revivre un jour une histoire d'amour. Qui l'accepterait avec son corps meurtri? Et puis il rencontre une jeune femme sur Internet. J'avais peur par rapport à mon nouveau schéma corporel. Je savais pas comment une femme allait réagir par rapport à mon nouveau corps. Et cette personne a réagi merveilleusement bien. C'est-à-dire qu'elle, voilà, elle m'a aimé tel que j'étais. Ça a été un rêve magnifique. Et je me suis dit, mais alors, on peut m'aimer tel que je suis. Et ça m'a enlevé un poids énorme. Aujourd'hui, j'ai moins peur d'aller vers d'autres femmes et dire, voilà, je suis Philippe, malgré que je sois comme ça. Ça m'a permis de m'ouvrir. Oui. Donc Massimo, si tu peux nous remontrer l'image qu'on a vue dans le reportage où on voyait monsieur devant son fauteuil avec toutes ses prothèses. Et j'adore cette image parce que vous avez le sourire. Je trouve ça absolument. J'adore cette photo. Vous aimez cette photo aussi? Ah oui, c'est ma photo préférée. Ouais. Parce que ça me représente énormément. C'est mon humour. C'est-à-dire que moi, quand je vois cette photo, je me souviens que j'avais dit au prothésiste. Voilà, regarde, je pourrais être le parfait représentant en prothèse, je pourrais travailler pour toi, regarde. J'ai les 4. On pourrait lire sur ma carte de visite Philippe Croizon, représentant en prothèse, alias le manquite. Ouais. Vous n'avez pas demandé qu'il vous change la tête, non? Non, ça y est, il fait pas ça. Je l'ai gardé à donc ça va. Vous arrivez à marcher aujourd'hui? Oui, très très bien, oui. Vous voulez nous le prouver? Oui. Eh bien, je vous en prie. D'accord. Peut-être vous aider juste parce qu'il y a quand même des marches. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre... C'est une prothèse qui est un peu. C'est un faux genou, donc c'est un genou à verrou, donc faut que je le bloque. Et donc tout va bien. C'est vrai qu'au restaurant, ça surprend un peu. Comme un claquement de mâchoire. 1, 2. Et si vous laissez votre père maintenant, vous pouvez marcher? Ah oui, ça va, il n'y a pas de souci. Donc tout va bien. Non, c'est vraiment c'est incroyable. Je vous en prie. Merci. C'était il y a combien de temps cet accident? 12 ans. Combien de temps il vous a fallu pour apprendre à marcher? Très vite. 4 mois. 4 mois après l'accident, je faisais mes premiers pas. Et les médecins, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit « bah ton petit garçon, vu l'état, et ainsi de suite, Grégory marchera avant toi. » Et j'ai dit « là, c'est hors de question, c'est impossible qu'il marche avant moi. » Et donc, 4 mois après, que je suis arrivé au centre de rééducation à Valenton,
Je me suis donné à fond. Quels sont les premiers souvenirs, Grégory, que tu as de ton père? Les premiers souvenirs? Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Mais est-ce que tu as vu qu'il était différent des autres papas? Oui. Oui, ça, je l'avais vu dès le début. Vous avez dû, j'imagine, aussi beaucoup épauler votre petit frère. Oui. Et lui expliquer ce qui s'était passé, lui dire que la vie allait continuer quand même. Oui, bah oui. Malgré votre malheur, vous aviez quel âge au moment de l'accident? J'avais 7 ans au moment de l'accident. Et puis, l'accident a fait que tout le monde s'est rapproché vite et fort. Donc, on s'est épaulé, on s'est soutenu, on s'est aidé, enfin, puis on continue. Comment tu expliquais ça à ton petit frère? Je lui ai expliqué que fallait pas s'arrêter au niveau physique, mais fallait continuer et que c'était papa et voilà, c'est pas un père, c'est un papa. 7 ans, c'est vraiment l'âge de raison dans ce cas-là? Non, absolument pas, non. Non, mais l'accident a fait que ça a chamboulé et que ça a accéléré le processus de maturité, entre guillemets, quoi. Ton papa disait que son corps était devenu un ennemi à ce moment-là. Tu le sentais en bagarre contre son corps? Non, j'avais pas vraiment de sentiment. Je pouvais observer de l'extérieur, mais pas vraiment. J'avais pas vraiment ce sentiment de. Et pourquoi de il se préservait, le papa? Ouais. Beaucoup, il disait pas tout. Non, il y a un jeu qui s'était installé vraiment entre la famille et moi. C'est-à-dire que personne n'avait le droit de pleurer devant les uns, devant les autres. Personne n'avait le droit de montrer sa douleur. Il fallait être fort. Moi, il fallait que je sois fort de mon côté. C'était mon jeu. Je dis voilà, ouais, non. Voilà, je montrais pas. Et eux, de leur côté, ils se donnaient pas le droit de pleurer. Ils mettaient les larmes au vestiaire. Et une fois qu'ils étaient passés devant la glace, où j'étais dans le milieu stérile, et là, ils s'effondraient, ils pleuraient. Et voilà, et chacun pleurait de son côté sans le montrer. Et pourquoi ne pas pleurer ensemble? Ça peut être une bonne chose aussi. Ben oui, mais ce jeu s'était instauré, malheureusement. Je dis bien malheureusement. Parce malheureusement que... Oui. Parce que je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense qu'il faut exprimer sa douleur, dire voilà, j'ai mal. C'est très important ce que vous dites là, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Vous êtes tout, ouais. Tout le monde acquiesce, tu vois. Sinon, on se renferme. Et ça, c'est très difficile à supporter. Chacun se renferme de son côté. Hein. Ce corps était devenu un ennemi, vous nous avez dit. Comment en avez-vous fait un ami? Comment j'en ai fait un ami? C'est comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, quand on m'annonce... j'ai des phases de réveil parce que je suis resté 3 ans en milieu stérile. Pardon, 3 mois. Et 2 ans en milieu hospitalier. Et quand j'ai des phases de réveil, on me dit voilà, on va te couper le bras gauche. Et là, je m'en rendors aussitôt, je ne veux rien entendre. La réalité est strictement impossible à entendre. Et donc après, j'ai pendant toujours une petite phase de réveil, on me dit voilà, on ne peut pas sauver ta jambe droite, on ne peut pas sauver ton bras droit. Et donc là, mais ça, c'est pendant 2 mois. Et au bout des 2 mois, on m'annonce qu'on va me couper ma dernière jambe, la jambe gauche. Alors que je m'accroche à cette jambe. À chaque fois, je me dis, bon, il reste ça, je m'accroche à ça. Allez, c'est cette jambe-là, je vais la garder. Et quand on m'a annoncé que je la perdais, là, c'était fini. Là, mon univers à moi s'écroulait, c'était terminé, je voulais plus vivre, je voulais partir. Et là, c'est là que dans mon lit... Vous avez pensé sérieusement? Oui. Là, je demandais pardon à la mort d'avoir lutté contre elle, ouais. Pardon à la mort d'avoir lutté contre elle, j'ai jamais entendu ça encore. Ah, mais si, je vous jure que j'ai demandé pardon. J'ai dit, mais viens me chercher. Je dis, excuse-moi, j'ai lutté contre toi le 5 mars 94, mais là, laisse-moi pas là, quoi. Parce que le 5 mars 94, j'ai vraiment lutté contre elle. Je me suis battu, mais alors. Ça, c'est le jour de l'électrocution. Le jour de l'électrocution. C'est un truc incroyable. Vous avez été électrocuté, vous êtes resté bloqué 20 minutes. 20 minutes par l'électricité. Trois décharges, ouais. À cause d'une ligne à haute tension. Oui, qui était mal placée. Vous étiez en train de réparer une antenne et la ligne à haute tension était juste au-dessus de votre maison? Voilà, oui, elle était à 1m30 ou 3m. Et donc, le fait que j'ai posé mes tibias sur les barreaux de l'échelle en aluminium, il y a eu prise avec la terre et. Le corps est devenu un ami aujourd'hui? Oui, complètement. J'ai accepté mon schéma corporel. Au début, c'est vrai que je ne voulais pas me regarder dans la glace. Hein. C'était impossible de voir mon bras gauche tellement il est esquinté, entre guillemets. Mais voilà, il fallait que je voie un miroir qui arrivait juste à ma tête. Je ne pouvais pas regarder mes membres, c'était impossible. Et aujourd'hui, tout va bien. Depuis que voilà, j'ai rencontré l'amour une fois... Donc, vous avez des belles mains, si j'ose dire. Oui, si je peux me permettre. C'est celle qui bouge? Oui, c'est des gants chinois. Attendez, je vais l'ouvrir. Hop, voilà, j'ai un petit interrupteur. Ah ouais. Donc ça, c'est des gants chinois, c'est une main allemande. Il y a un système électronique américain, une emboîture française, donc c'est très cosmopolite. Vous ne sentez pas quand je vous touche, évidemment? Ah non. Non. Vous le voyez. Vous pouvez les plier aussi? Oui. Attention à vos doigts. J'en prie. Vous me direz stop? Non, allez-y. Encore un peu? Encore un peu. Ah oui, une bonne... Ah oui, d'accord. Oui, je peux casser une noix. Donc, dès que c'est tout bleu, il faut dire stop. C'est ça? Voilà. Donc, ça vous permet de déjeuner, ça vous permet de... Voilà, d'attraper le mini-manche de ma voiture, de conduire sans toucher le volant ni les pédales et conduire avec un système de commande vocale. Ne pas perdre les pédales. Voilà. Vos enfants étaient près de vous, le tout petit qui arrivait, il fallait vivre pour lui, oui. Le grand qui n'avait que 7 ans, votre femme aussi. Pourquoi est-elle partie? Oh, elle est partie tout simplement, la vie courante de tous les jours. Je veux dire que même si j'étais pas handicapé, je pense qu'elle serait partie, quoi. Elle a rencontré quelqu'un, ça. On peut pas le savoir. Donc, au bout de combien de temps? 7 ans après. Donc, elle m'a dit, voilà, mon amour s'est éteint et
Je vous aime quand même. Et donc, elle habite pas très loin de la maison, mais elle a refait sa vie. Maintenant, elle attend un petit bébé, une petite fille, donc tout va très bien. Vous ne voulez pas faire de rapport entre votre handicap et le départ de cet amour et la fin de cet amour ? Certainement qu'il y a un rapport. C'est même peut-être sûr, je sais pas, mais dans la discussion qu'on a eue, elle me disait non. Vous lui en avez voulu ? Oui. Oui, oui, énormément, au début, oui. J'ai même la phase de colère que j'avais pas eue quand j'ai eu cet accident-là. Elle est sortie 7 ans après ? Elle est sortie 7 ans après. Et là, j'ai explosé. 7 ans après, parce que pendant 7 ans, je me battais, je me disais, voilà, j'ai un objectif, c'est mes loulous, c'est mes enfants, mon épouse est là, j'ai pas le droit, et quand elle est partie, c'est vrai que mon univers s'est écroulé. Tu t'en souviens ? Ouais. Ah oui. Comment il a explosé ? Bah, en faisant ce qui est pas faisable, une tentative de suicide, tout simplement. Bah oui, j'ai voulu partir. Parce que pendant ces 7 années-là, je savais que ça arriverait un jour, et inconsciemment, tout doucement, jour après jour, je me disais, voilà, si elle s'en va, voilà, c'est à toi de partir. Et on se met ça dans le cerveau. Si elle s'en va, c'est à toi de partir. C'est toi qui es dans cet état-là, c'est toi qui as fait l'idiot en montant cette échelle. Si elle s'en va, c'est à toi de partir, mais pour de bon, quoi. Pour de bon. Laisser la place avec les enfants et... C'était il y a combien de temps, ça ? 5 ans. Depuis quand il se met à reparler des femmes ? Depuis 2 ans. Ça t'a surpris quand il a commencé à parler de ça ? Non, au contraire. Ça m'a fait plaisir parce que c'était un renouveau. Comment il s'y est pris ? Comment il s'y est pris ? Par Internet, rien de... Vous avez rencontré des femmes, vous avez parlé tout de suite de votre situation ? Je cache pas. Bien sûr que non. Direct. J'ai essayé de voir au début, de dire, voilà, une discussion sympa et tout, et c'est vrai qu'au bout d'une heure, je disais, voilà, au fait, excuse-moi, mais je suis handicapé, et là, plus personne. Vous avez rencontré des femmes ? Oui. Plusieurs ? Plusieurs. Une, particulièrement, la première. Parce que voilà, ça m'a permis de rêver. Quelque chose, la première fois. Waouh, c'est énorme. Elle était belle ? Oui, très, très très belle, ouais. Et je ne m'attendais pas à ça, parce que voilà, on avait discuté sur Internet, on s'était envoyé des photos, et on s'est dit, voilà, ça faisait peut-être un mois qu'on discutait, si on se rencontrait. Et voilà, j'avais une énorme peur. J'ai dit, je veux bien qu'on se rencontre, mais je serai avec mes prothèses, quoi. Je viendrai avec mes jambes, mes bras, et tu me verras en entier. Et voilà, on était au restaurant, on ne sait plus, on a discuté, après on a vécu... 4 mois comme ça, l'un chez l'autre, après on a vécu à la maison. Et ouais, c'était un amour très fort, et surtout un rêve. Un rêve de pouvoir que quelqu'un... parce que c'était la peur de dire, mais jamais personne ne m'aimera comme je suis. Quelqu'un découvre votre corps aussi. Que quelqu'un découvre mon corps sans les prothèses. Mais pourtant, je disais, mais je suis comme ça, mais c'est moi, je suis Philippe, quoi. J'ai eu un accident, malheureux, mais c'est moi. Le reste fonctionne, si je peux me permettre cette question. Oui. Oui, oui, ça a été le soulagement. Le jour où le petit drapeau s'est levé, j'ai dit, waouh. Cette histoire a duré 4 mois, vous disiez, avec cette femme. 4 mois, vous vous êtes séparés. Oui. Vous avez... Pourquoi ? Bah, compatibilité d'humeur, ça voilà, existe. Point. Vous avez rencontré d'autres femmes depuis ? Oui. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Aujourd'hui, je suis toujours un petit peu en recherche. Donc, mais toujours des contacts assez sympathiques. Et à partir du moment qu'on accepte mon handicap, tout va bien, quoi. Aurélie, votre petite amie, quand vous l'avez rencontrée, vous y avez cru pleinement que non. Ça allait être... Non. Non, parce que moi, je ne m'étais pas acceptée telle que j'étais, donc je ne pouvais pas concevoir qu'on puisse m'accepter comme ça, après l'accident. Quand on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas concevoir que quelqu'un nous aime comme ça. Au moment de passer aux relations amoureuses, vous arrivez à vous détendre ? À me détendre Avoir suffisamment confiance en vous pour vous oublier ? Non. Non, j'ai pas confiance en moi. Au début de ma relation, je dormais même avec mes lunettes pour pas qu'il puisse voir mes yeux. Il est là, Thierry. Hein. Oui, on peut là, lui demander ce qu'il en pense. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré, Thierry ? Son humour. Elle, tout simplement. Son physique aussi. Mais moi, je l'ai pas connue avant, Aurélie. Donc pour moi, ça changeait rien. Je pense qu'après, pour plaire et pour se faire accepter, il faut redoubler d'efforts, il faut capter l'attention, donc être drôle, être intéressant. 2 fois plus. Moi, je fais 2 fois plus d'efforts pour que les gens me remarquent ou bien passent au-delà des apparences physiques. Jérémy, tu penses que ton père est prêt pour le grand amour aujourd'hui ? Oui. Ah oui, il a suffisamment souffert comme ça pour... Il n'y a pas de raison, tout le monde a le droit d'être heureux, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Donc, alors pareil, envoyez vos candidatures, évidemment. J'ai
renvoie à toutes celles et évidemment tous ceux qui seraient intéressés par cette histoire incroyable de dépassement de soi-même à ce livre que Philippe vient de signer qui s'appelle « J'ai décidé de vivre ». On se retrouve dans un instant avec Delphine qui nous expliquera comment donc elle a réussi à aimer son corps. Un parcours très atypique, mais un parcours réussi comme celui de la plupart de nos invités. J'ai évidemment une pensée pour Frédéric qui sort de chez lui pour la première fois aujourd'hui depuis presque un an et qui vient chercher des encouragements. Regardez ce message, il vous concerne peut-être. Vous êtes tombé amoureux d'un membre de votre famille. Femme au foyer, vous avez pris un amant ou quitté votre mari pour vous épanouir sexuellement. Vous avez trompé votre femme et vous le regrettez. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans toute une histoire, le cauchemar de Marjorie. Cette mère célibataire est tombée amoureuse d'un inconnu sur Internet. Dans la vraie vie, il s'est révélé être violent et manipulateur. J'étais plus que malheureuse. J'étais vraiment en perdition et puis il m'a cassée, quoi. Il m'a brisé le cœur, et puis je pense que toute ma vie j'aurais les séquelles de ça. Mais l'anonymat offert par Internet permet aussi à des criminels d'attirer leur proie. Enlèvement, proxénétisme, pédophilie, les faits divers via le net se multiplient. Les victimes restent la plupart du temps des mineurs ou des adultes vulnérables. Aujourd'hui, et c'est un phénomène qui est devenu un phénomène d'ailleurs mondial, puisqu'il y a un véritable trafic d'enfants qui s'est mis en place. Certains prédateurs considèrent Internet comme un vivier. C'est virtuel, c'est nouveau, donc ça va créer nécessairement une nouvelle forme de criminalité. Votre voisine a été la première femme handicapée à poser nue dans New Look. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire une belle leçon parce qu'elle a su s'accepter comme ça. Et c'est pas évident. Comment vous en êtes venue à faire vos premières photos sexy ? Qui est-ce qui a eu l'idée ? Bah, c'est des amis en fait qui m'ont lancé le pari de faire des photos. Et moi, j'ai dit chiche. Comme d'habitude, je suis un petit peu tarée sur les bords. Quand on me propose quelque chose de fou, je fonce dans le tas. Quel rapport vous aviez à votre corps avant de faire ces photos ? Aucun, en fait. À part un rapport médical, mon corps, c'était pas un corps de femme, quoi. Donc, mon corps, c'était quelque chose de chiant qu'il fallait mobiliser et mettre dans un corset. Bon, avant cela, vous n'aviez jamais vu votre corps, vous nous avez dit. Non, vous jamais. Vous étiez jamais vu nu. Comment vous avez réagi en vous voyant en photo ? J'étais estomaquée. Parce que j'ai découvert que j'étais une femme, j'ai découvert que j'étais sexy. Que vous êtes très mignonne, hein ? Je trouvais jolie, merci. Parce qu'on pense le public, franchement, non, mais... Vous allez me faire rougir. C'est vrai qu'au départ, ben, j'ai été vraiment surprise et puis j'ai eu envie d'en faire d'autres. Puis ça m'a permis d'évoluer, de réfléchir aussi par rapport à l'éducation qu'on m'avait donnée, c'est-à-dire quelqu'un d'asexué qui avait énormément de limites. Et j'ai eu envie de briser toutes les barrières qu'on m'avait mises auparavant. En fait. Et vous êtes devenue quelqu'un de sexué ? Ouais. Ouais. Même si je l'ai... Ouais. Ben, Même si je me suis jamais refusé d'aimer pendant toute ma jeunesse, quoi. J'ai eu des petits amis à l'âge de 12-13 ans, comme toute personne, quoi. Mais c'est vrai que moi, je ne m'aimais pas. C'est-à-dire que je me cachais derrière un masque. D'ailleurs, à 15 ans, je me maquillais comme une voiture volée. Hein. Et voilà. Mais après, c'est vrai que maintenant, quand je me regarde dans un miroir, j'arrive à m'aimer même quand j'ai dormi 4 heures dans la nuit, quoi. Même quand vous êtes dans les bras de votre fiancé ? Ouais. Surtout ? Oui. Enfin, c'est vrai que l'amour, ça marche pas par le regard de l'autre. Je crois que c'est important d'abord de s'aimer soi-même, ouais, pour pouvoir aimer correctement l'autre. Et l'autre, il te prend tel que tu es dans tout ce qu'il peut prendre de toi. Je pose la question pour tous ceux qui nous regardent et qui sont dans une situation comparable à la vôtre. Vous y prenez du plaisir ? De faire des photos ? C'était pas ma question, non. J'ai pas entendu, en fait. Ben, si, vous avez bien entendu la question, mais je... Est-ce vous... que tu prends du plaisir ? Moi ? Ah oui, oui, pardon. oui, oh, bah, bien sûr, oui, comme tout le monde. Après, c'est chacun. Chacun prend son pied comme il a envie, mais... mais c'est un moment agréable pour vous. Ah bah oui, c'est comme...
J'espère pour tout le monde, parce que sinon, c'est qu'ils ont raté quelque chose. Oui. Non, mais souvent, pour les personnes tétraplégiques, la question se pose sur les sensibilités. Bah, en fait, c'est pas assez. Je suis tétraplégique parce que je bouge très peu partout. Mais moi, je vous vois bouger plus. Voilà, moi, je bouge partout, en fait. Du doigt de pied jusqu'à la racine de mes cheveux, je bouge partout. Hein. Mais c'est une maladie génétique, hein. Donc qui n'atteint que les muscles, entre guillemets, moteurs. Donc après, toute la sensibilité est intacte. J'ai une sensibilité même plus exacerbée que certains, parce que j'ai pas de cornes sous les pieds, j'ai pas la peau tannée. Donc c'est vrai que j'ai une peau de bébé. Une petite poupée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quel regard portez-vous sur la Delphine d'hier, aujourd'hui? Celle qui ne se regardait pas dans la glace, celle qui ne pensait qu'elle n'avait pas de corps. Qu'est-ce que je porte sur elle? Ben, je sais pas, ça a vraiment été une renaissance. J'étais une jeune fille handicapée, et aujourd'hui je suis une jeune femme assise. Je vois tellement de gens autour de moi qui s'arrêtent au fait qu'ils sont assis dans un fauteuil, alors que pour moi aujourd'hui c'est plus un avantage. Toute une histoire. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous aujourd'hui. À la prochaine fois. Bonsoir.